Madagascar, la rouge. Au sud de l'île, dans la vallée du Tsaranoro, le temps semble s'être arrêté. La légende dit que cette vallée tient son nom de deux jeunes filles, Ratsara et Ranoro, qui au début du 19e siècle auraient donné leur vie pour sauver leur frère, le roi Sahanambo. Aujourd'hui, le Tsaranoro et ses parois granitiques alimentent les rêves des grimpeurs du monde entier. C'est ici qu'Arnaud, Stéphanie, Sylvain et Laurent ont décidé de s'attaquer à une voie extrême de 400 mètres. Son nom, Tough Enough. Elle est considérée par le milieu comme l'un des défis majeurs d'escalade libre de notre époque. On est venu en 98 avec Stéphanie, ça c'était notre premier grand voyage là. Et on a été subjugué par cette vallée avec ses énormes parois. Et on est revenu 10 ans après, en fait, parce que... Ça faisait déjà vraiment longtemps qu'on voulait revenir au Tsaranoro. Et puis c'est vrai qu'on avait vu cette face il y a 10 ans, en voyant vraiment le truc futuriste. Et Arnaud, lui, dès qu'il a su que des Allemands avaient ouvert une voie d'artif là, dans cette face, il a direct voulu essayer en libre. 10 longueurs, il y en a une en 7B, une en 7C, et puis sinon elles sont toutes dans le 8, et il y en a 5 dans le 8B+, 8C. Et sur une grande paroi comme ça, là, qui fait 400 mètres, c'est vraiment dur. Le jour se lève sur la capitale malgache et ses 1 800 000 habitants. La ville s'anime peu à peu jusqu'à en devenir assourdissante. Pour les 4 grimpeurs français, c'est ici que commence l'aventure. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, t'es même. Bien. Parce qu'on est venu il y a 10 ans et c'était la piste. Ouais, la piste. On sera allés depuis Michal jusqu'à Kéa. Après 10 heures de taxi brousse, l'équipe atteint Fianarantsoa, la porte des hauts plateaux. Son nom signifie textuellement « là où l'on apprend le bien ». Ici, la vie, le rythme sont différents. Le voyage prend tout son sens dans la découverte d'autres réalités. À Fianarantsoa, les grimpeurs retrouvent Christian. C'est chez lui qu'ils vont séjourner pendant un mois. On comprend vite le sens de la devise locale, Mora Mora, qui veut dire doucement, tranquille, un peu comme le pas de ces zébus qui seront vendus dans quelques semaines à Antananarivo. Au bout de la piste, émergent les profils massifs du Tsaranoro et du Karamboni. Premières impressions pour les grimpeurs qui découvrent enfin les géants de granit. Direction le camp de base. Le camp Kata offre le gîte et le couvert aux visiteurs de passage. Il emploie une 20aine de personnes et contribue au développement économique de la vallée.
On en prend chacun, brun pour tirer. Ouais. Ça tire dans un trou. Voilà. Tu apprends des nouvelles techniques, Sylvain. Ouais. Le clipper, là, je pense. De là, là. Je suis les porteurs et ça marche pas pour moi. C'est très très sculpté, il y a plein de petites écailles quoi. Elles sont grosses comme. On a pas le topo, mais bon. C'est droit dans la face. Hein. C'est haut, Elie, c'est un peu. Ouais, aïe. Tough enough. Là, c'est une voie très dure, voire trop dure. Et c'est vertical, très 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 technique, à doigts, pourtant, du très beau rocher. C'est pas de la fissure pure, quoi. C'est pas du granit avec des lignes de fissure bien marquées. Au contraire, c'est assez. C'est des grands pans lisses comme ça et puis plein de petites réglettes bon, de taille variable. Ouais, il est beau. Ouais, il passe. Le choix qu'a fait l'équipeur est quand même assez sympa parce que il a mis des spits dans les murs, dans les dalles, et dès qu'il y avait moyen de grimper sur coinceur, hop, c'est laissé vierge. Il y a quelques pitons qui donnent un caractère d'aventure aussi. Ça fait une grande voie sportive, mais un peu plus complète, quoi. Ça, c'est bien classe, quoi. Il y a un peu des caquettes sur le sourire. Une fissure en moins. Déjà. La voie, c'est un mur vertical et lisse. Enfin, pas tout à fait lisse, parce qu'on arrive à y grimper. C'est plein de petits gratons. Il y a quelques fissures, mais sinon, c'est vraiment l'escalade de face, sur micro-prise. Une pureté... Arrosé comme ça. Ça a l'air osé. C'est encore des rasoirs. Ouais. Comment ? C'est pas facile déjà. Hein. Déjà les. Si c'est 8 ans, bah les 8 ans, ça va être un autre sport. Mais ouais. J'ai mardi. Allez, c'est parti. À l'assaut. Carambone. Bah, la journée typique, c'est t'as deux options. Soit tu passes par en haut et puis tu descends sur ton gris-gris et puis tu vas taper un essai dans une longueur. Soit tu passes par en bas et là, tu fais du jumard, quoi. Donc c'est vrai que c'est le côté un peu laborieux d'une escalade difficile comme ça dans une grande paroi. Parce que ouais. Bah, quand tu veux essayer une longueur, c'est pas à ras du sol, t'es pas là sur directement par terre à pouvoir mettre ton essai quand tu veux et à te reposer, quoi.
fait que chaque longueur intrinsèquement est difficile, c'est qu'il y a peu de prises. En fait, c'est un rocher qui offre que des microstructures, donc vraiment des très petites prises à tenir, et surtout c'est très long à déchiffrer, quoi. C'est une escalade qui n'est pas basique, c'est pas une escalade comme on a l'habitude de rencontrer dans les déserts en Espagne ou ailleurs, où on lit très rapidement ce qu'il faut faire. Déjà, ça demande beaucoup de travail de lire le rocher, comprendre comment ça marche, et puis après de mémorisation de tous ces mouvements, parce que c'est vraiment le moindre déplacement de pied change tout, et il faut arriver à avoir une grimpe parfaite, quoi. Intégrale de la voix, je pense que ça restera un challenge pour les enfants de nos enfants, quoi. Là, moi, le but est de faire chaque longueur intrinsèquement et de pouvoir dire, eh ben oui, chaque longueur est possible, donc un jour la voix sera possible entière. Et par un seul et même grimpeur. Ça, c'est ce qui m'avait vraiment marqué pendant mon premier voyage, c'était ils ont toujours le sourire, quoi. Quoi qu'il arrive, ils sont tranquilles. Ils étaient pas bien ce que nous. Mora Mora, la vie s'écoule en douceur dans la tranquille vallée du Tsara Noro et dans le labeur quotidien. Le plus souvent pieds nus, les habitants doivent parcourir des kilomètres pour relier les villages. Ici, l'homme reste le premier mode de transport de marchandises. La plus grande richesse d'un habitant de Madagascar est de posséder un troupeau de zébus. Symbole des rois, cet animal est synonyme de puissance et de prospérité. Il est utilisé pour sa viande, son lait, son fumier, mais aussi dans les champs, pour le labour. Allez, Sylvain. Allez, il faut arquer à mort, là, Sylvain. Dans 20 minutes. Tu fais quoi, Sylvain? Et j'affûte mes chaussons. Faire des beaux virages. Et oui, quand les doigts, ils tiennent pas, et ben, il faut que les chaussons, ils tiennent. Donc, bon, on les affûte. Il y a une grande longueur qui s'appelle Enduro Corner, qui fait 55 mètres, très verticale et très gazeuse, même si elle est qu'en cinquième longueur. C'est Sylvain qui s'y est collé, qui a fait un beau combat à vue, parce que c'est super engagé, il fallait vraiment oser y aller. Enduro Corner, ça m'a marqué, un bon essai de vue. Hier, je tombe deux fois à 3 mètres du sommet. Donc ouais, très, très beau, encore une longueur de 50 mètres. Une petite diète légèrement déversante. Donc, très classe. They gave it to me for the ball tonight. Oh, tu t'appelles genou?
Ça fait mal, non? Si, on met aussi un peu. Ouais, ça va aller, c'est juste le genou là. Alors, moi, c'était nickel. C'était royal. Elle a fait un tour autour du speed là. Du relais. En fait, il faut se bâcher au moins 5 mètres pour pouvoir monter. Il va se trouver qu'un gros sylvain, vous d'accord? Il n'est pas gros, mais quoi, 30 10 mètres. Ben, pas mécontent d'arriver là. Pierre relais. Ouais. Ah, c'est classe, hein. Mais c'est exigeant, putain. Sur 50 mètres. Ouaf, c'est pas gagné. C'est vraiment dur. Le toit, il a l'air dément. Moi, ça me plaît bien. Le toit, ouais. Ouais. T'as mal au genou là? Ouais, j'ai mal au genou, non, mais ça, j'ai tapé fort. C'est, là dessus ça me fait très mal, tu vois. Là il n'y a pas de problème. Là il y a déjà une petite couche de truc mou là. Le genou il a pris 5 cm. Mais ouais, putain, c'est genre de débutant. Quoi. Le Vera sert de nombreuses préparations pharmaceutiques. C'est cicatrisant. Donc tu peux pas déjouer les mains. Et ça régénère la peau. Ça régénère la peau. Et t'évites de te lécher les doigts. Tout se passe bien. La difficulté aussi, c'est que là, il fait quand même assez chaud. Donc déjà, le matin, on grimpe pas du tout. On attend l'ombre en fait. Et du coup, la journée est très courte aussi. Il fait nuit à 5h30, 6h. Ça y est, il fait nuit. Quoi. Donc, quand t'attaques à grimper à vers 1h, 2h, en général, il n'y en a qu'un qui peut vraiment faire des essais en fait. Tu passes des fois des journées assurées et puis tu sais que le lendemain, ce sera ton tour de grimper.
Le combat, quoi. Ouais, j'ai mal aux pieds, là, putain. Une angoisse. Nickel. Ah oui, c'est génial, c'est une belle longueur, quoi. Merci Sylvain. Tu me bloques? Être un enfant dans la vallée du Tsaranoro, c'est savoir jouer avec des choses simples, comme cette boîte de conserve ou cette toupie bricolée maison qu'il faut savoir manier avec habileté. Et les enfants sont les plus forts à ce jeu. Bien que le niveau de pauvreté soit extrême, les sourires et la joie de vivre illuminent les visages. Une belle leçon pour ceux qui veulent nous faire croire que le bonheur réside dans l'opulence et la consommation à outrance. Un des vestiges de la colonisation est cette école qui permet l'instruction des plus jeunes aux bases du programme scolaire français. Et quand l'école est finie, comme la plupart des enfants du monde, c'est en courant que l'on rejoint la maison. Mais ici, pas de route à traverser, pas de voiture à éviter, des rizières à perte de vue où le seul danger est de se mouiller les pieds. Le riz et le blé constituent la principale ressource alimentaire des habitants de la vallée. Une affaire de femmes. Chaque jour, à l'ombre du grand arbre, les villageoises se retrouvent pour piler et tamiser. C'est l'heure des confidences et des rires partagés. Comme partout en Afrique, la préparation du blé et du riz constitue un véritable lien social. Après l'école, les petites filles aident leur mère dans le rythme et la bonne humeur. La longueur du toit est marquante aussi, parce que déjà pour poser les protections, il faut un peu se dépatouiller en artif. La longueur du toit ne se protège qu'à l'aide de points d'assurance précaires qu'il faut poser en escalade artificielle. Arnaud, plus expérimenté, est désigné pour placer les pitons et autres coinceurs qui devront retenir les chutes lors des futures tentatives en libre. Je me secoue timidement. Hein. Ouais, c'est pas comme Hubert quand même. Hein. Pour pas que Sylvain il mange trop. Pas si je me pends dessus, quoi. Ça doit bouger avec les chaleurs en été, là. This one should go on the crack. Ça me fait 5 mètres de libre. C'est dur de savoir si c'est possible. Si c'est extrême ou pas. Faut aller tâter les prises sans avoir tout ce bordel là que tu traînes. Ouais, il y a ça, ouais. J'ai eu plutôt de la chance parce que ça s'est fait assez vite. Deuxième jour, au deuxième essai, je me suis bien donné dans la longueur. Thank you.
Yes. Yes, bien joué. Merci les amis. Après avoir réussi les 6 premières longueurs, l'équipe se retrouve bloquée. Un passage baptisé Caméléon semble impossible à franchir. Ils décident alors de descendre en rappel depuis le sommet pour examiner de plus près la paroi et l'éventuelle possibilité de contourner le problème. Incroyable, hein, Stéphane. Il y en a un qui est pieds nus, là. De jeunes porteurs pas toujours bien équipés sont engagés pour acheminer les quelques dizaines de kilos de matériel. En ayant un doute, on est allé voir plus à gauche, donc Caméléon, pour faire une nouvelle variante. Que des bacs ? Une phalange ? Voilà ! Bon, maintenant, Sylvain, tu viens et tu me fais tous les pas. Hein. Oui, chef. Et effectivement, donc c'était un peu moins vertical, un peu dalleux. Donc là, on peut prendre des vraiment très mauvaises prises. Donc on a trouvé un passage qui est faisable. Quoi. Là, elle est classe parce que c'est la solution pour que la voie passe en libre. Une fois le chaînon manquant trouvé, l'excitation monte d'un ton au sein du groupe. Bien qu'il reste 2 longueurs extrêmes à réussir avant le sommet, le défi de libérer toute la voie semble maintenant bel et bien possible. T'es baladé. Ouais. Eh ben, ça colle, hein. Ouais, tu me diras si elles tiennent les cordes. Allez, Taïm. Allez, hop.
Ah, c'est grave, hein. Allez, viens, avance. Merci pour votre aide. Voilà, mais tu... Il y a un bloqueur, quoi. Le casque de Sylvain, là, il a servi à quelque chose. Non, c'est bon l'escalade? Oui, c'est bon. Ça fait pas trop peur. Ah, ah, il fait pas trop grave si vous êtes vraiment serré pour le faire. Alors? Longueur, là j'ai cours 55 mètres de dalle, tu sais, c'est vraiment très marquant, dure tout le long quasiment, c'est très technique, très à méthode. C'est dommage. Il y a une longueur qui est vraiment impressionnante pour moi et me fait peur parce qu'elle est longue, elle est compliquée, puis au début je ne l'ai pas encore bien vue. C'est Gecko, ça fait 55 mètres et puis c'est très soutenu et c'est dur quoi, hein, je suis tombé deux fois en haut. La voie elle est équipée sur speed, c'est solide, mais par contre il y a des distances assez importantes parfois. Il y a des gros plombs à se mettre, alors il faut rester très concentré quand même. Après il faudrait que je grimpe un peu plus risqué quoi. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que sinon je vais rester sur pause quoi. C'est quand même impressionnant de se lâcher à fond dans une grande paroi quoi, quand on part du relais là, et que c'est tout lisse autour, les lignes fuient quoi. Même avec pas mal d'expérience, c'est impressionnant. Ce mur là, il est. Ouais, il fait assez peur.
peu un combat quoi. Ah oui, le vent de la croix là. Steph ? Ouais. Je vais y aller. Je me suis battu. Ah mais là tu t'es battu là. T'as dérapé du pied? Ouais, j'ai dérapé de tout là. Ah là, je peux pas faire mieux. Oh putain. T'es tombé où là en fait? Je suis tombé avec un plat. Avec un plat. Ça colle là, hein. Ça colle à mort là. Today is the day. Hercule va tomber. Bonne équipe bien homogène, hein, parce que s'il y a un seul grimpeur qui est capable de trouver des méthodes et qui a l'expérience de déchiffrer du rocher comme ça, il ne pourra pas s'en sortir. Nous on avait l'avantage d'être quatre bien expérimentés dans un style qui suit cette voie quand même et qui a l'expérience des 8 couches, des 8 C. Ça fait que la longueur, on arrive à trouver des solutions qui font qu'elle est plus rapidement réalisable que si on s'entête tout seul. Allez, allez. Super.
merci la collante. Oh, c'est bien quand c'est un peu freeride et que ça marche. Arnaud et son équipe peuvent avoir le sourire. Ils sont les premiers à avoir réussi toutes les longueurs de Tough Enough, la grande voie qui affiche le plus de difficultés en escalade libre au monde. La porte est maintenant ouverte pour les nouvelles générations. Elles pourront tenter de faire mieux en réussissant la voie d'une traite sans redescendre au camp de base. Encore de très beaux chapitres d'escalade sont donc à écrire dans l'incroyable vallée du Tsaranoro.